Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition du Cap Info. Bienvenue pour un nouveau Récap Info sur Télé Grenoble. Ceux qui font l'actu viennent la commenter sur notre plateau. Bonsoir à tous, bienvenue dans Pleine Lucarne, rendez-vous avec le foot isérois. Bienvenue à toutes et à tous, une nouvelle fois ici au Conseil Régional pour les questions d'actualité. Bonsoir à tous, écho à l'affiche, c'est le rendez-vous que vous donne chaque mois la rédaction de Télé Grenoble parce que jamais l'économie n'aura été aussi présente dans nos vies. Bonsoir et bienvenue dans Par ici les sorties. Alors j'espère que vous en avez pris l'habitude maintenant. Le jeudi soir, vous pouvez rentrer chez vous et vous installer tranquillement dans votre fauteuil devant Télé Grenoble pour découvrir dans Par ici les sorties les différents plans. Et si nous parlions de la formation, c'est ce que nous allons faire dans cette émission au cœur du débat avec... Je suis un prestataire de service, c'est-à-dire que je travaille en coordination avec les ébénistes, les menuisiers. Agora, c'est un plateau qui va investir un nouveau lieu de la région chaque mois. Le meilleur des sports extrêmes est dans Attitude. Passionné d'Ovalie, le magazine Terre de Rugby débarque sur Télé Grenoble. Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue en Terre de Rugby. Tous les 15 jours, le lundi soir, écoutez battre le cœur du 15 dauphinois, revivez ses performances sur le pré, glissez-vous dans les coulisses de l'exploit et partagez la vie du groupe avec tous les acteurs de la saison pro. Prochainement sur Télé Grenoble, votre nouvelle émission Recherche Imo. Salut et bienvenue dans Greniwood, l'émission du cinéma, l'émission locale du cinéma. Découvrez toute l'actualité automobile dans Grand Tourisme sur Télé Grenoble. Vous avez envie d'en savoir plus sur l'univers des jeux vidéo? Votre nouveau rendez-vous s'appelle Gaming. Cette semaine, dans Rhône-Alpes Rendez-vous, laissez-vous aller un moment de détente. C'est Entre les lignes, l'émission qui prend du recul sur l'actualité politique de la semaine.